Au début des tout premiers commencements, il y avait un homme néolithique, un primitif, qui vivait caverneusement dans une caverne. Il portait fort peu de vêtements, ne savait ni lire ni écrire, d'ailleurs il ne le souhaitait pas. Et sauf quand il avait faim, il était plutôt content de son sort. Il s'appelait Tegumai Bopsoulai, ce qui veut dire « homme qui ne met pas trop vite un pied devant l'autre ». Mais bon, nous l'appellerons Tegumai. Sa femme s'appelait Teshumai, femme qui pose beaucoup de questions.